Rosenthal est attendu au centre de commandement. Docteur Rosenthal au centre de commandement. Je vais tenter de trouver Prophète avant qu'il fasse une connerie. Je vous retrouve plus tard. Strickland, si vous m'entendez, vous devez évacuer toute l'île au plus vite. Il y a des bestioles et elles se réveillent. C'est une vraie invasion. Nomade, vous avez fait du bon boulot, fiston. Grâce à votre transmission vidéo, les chefs d'état-major préconisent une frappe nucléaire. Dès que j'ai la confirmation finale de la Maison Blanche, on va réduire ces saloperies en poussière. Amiral, on ne devrait peut-être pas se précipiter. On devrait explorer les autres possibilités. Vous voulez parler à la place du président ? Des chefs d'état-major ? Je pense que vous ne saisissez pas la gravité de la situation, docteur. Il y a environ une semaine, nos renseignements militaires ont détecté des signatures thermiques anormales sur cette île. Au début, nous avons pensé à des essais nucléaires coréens. La CIA et la NSA sont au courant. Ça devrait s'arranger. Il y a 4 jours, la NASA a intercepté un signal haute fréquence émis depuis le cœur de la montagne. La balise émet ce signal vers une étoile, quelque part dans la galaxie M33. C'est à quasiment 4 millions d'années-lumière d'ici. C'est peut-être un signal de détresse. Un appel à l'aide. Selon vous, les échantillons collectés ont plusieurs millions d'années. Oui, c'est vrai. Mais cette technologie est des plus avancée. Elle ne vient pas de notre planète. Si ces créatures sont perdues sur Terre, elles appellent peut-être à l'aide. Peu importe leur nature et leur origine, nous devons agir rapidement. J'ai des avions armés de missiles nucléaires en stand-by. Sauf votre respect, on ne sait même pas si nos missiles perceront leur périmètre de défense. Si vous voulez des garanties, changez de métier. Je ne vais pas rester là à papoter alors que la sécurité de notre planète est en jeu. C'est du suicide. Jusqu'à présent, ces choses ont drainé toute l'énergie des sources d'alimentation qu'elles ont trouvées. La montagne s'est transformée en un immense collecteur d'énergie. Regardez le diagramme! Cette source d'énergie court à travers toute la structure de la montagne. Comparez son profil à celui de la créature qu'on a ramenée à bord. À mon humble avis, il s'agit d'une entité biologique dont la nourriture est l'énergie électrique. Je ne peux pas imaginer les conséquences d'une frappe nucléaire sur ces structures. Et si on ne fait rien, que va-t-il se passer d'après vous? Il existe une alternative. Laissez-moi juste un peu près. Nous n'avons plus du tout le temps, docteur. Monsieur, on a perdu le contact avec l'USS Lexington. Je veux que tout le personnel secondaire sorte d'ici immédiatement. Je serai dans l'armurerie. Venez me voir quand vous en aurez fini avec cet abruti. Vous aussi, vous devez sortir, lieutenant. J'ai croisé votre commandant qui descendait à l'armurerie. Je pense que vous avez... Hein, c'est vous le mec des forces spéciales qui est allé à l'intérieur de la salle? Vous y êtes allé? Le docteur Ellis est attendu à l'infirmerie. Le docteur Ellis est attendu à l'infirmerie. Chercher l'armurerie. Le commandant d'or est attendu sur le pont. Le commandant d'or sur le pont. Nomade, vous avez réussi. Hé, Nomade. Très bien, mon pote. Je sais toujours pas comment vous avez pu déclencher ces armes, chef. Nous ne comprenons pas non plus. Le mécanisme de tir est très complexe. Ça nous prendrait des semaines pour désosser cette arme. Et vous avez réussi à la modifier en plein combat. Vous avez intégré sa source d'énergie à la nanocombinaison. C'est remarquable. C'est venu naturellement. C'est peu dire. Ok. Votre combi devrait être pleinement opérationnel avec ces petits changements. J'ai redirigé le surplus de puissance vers les propulseurs hydrauliques, comme prévu. Vous êtes prêt au combat. Docteur Gillespie, j'aimerais faire des tests sur la nanocombinaison de Nomade. Je pense que vous pouvez m'aider. Mais bien sûr. Asseyez-vous, lieutenant. Nous sommes impatients de récupérer les données enregistrées par votre combinaison. C'est vrai que lancer une frappe nucléaire sur l'île est une solution plutôt radicale. Ce que l'amiral Morrison pense, je m'en contrefous. Sa frappe n'aura absolument aucun effet. Prophète, attendez! Alors, que puis-je faire pour vous, docteur? J'ai identifié le signal émis par ces créatures lors de leur rechargement. En l'amplifiant, on peut provoquer chez elles une surcharge énergétique.
Serait-il possible de relayer leur signal avec la nano-combinaison? Ça devrait pouvoir se faire, je vais étudier ça. Est-ce que je peux altérer la fréquence du signal à distance? Il n'y a rien de plus simple. Vous pouvez émettre le signal depuis n'importe quel dispositif sans fil. Vous allez pouvoir faire des expériences. Et qu'est-ce que vous voulez me faire, au juste? Si ma théorie se confirme, nous pourrons vous équiper pour affronter cette créature. Et si vous vous plantez? Il y a juste à espérer que Morrison sait ce qu'il fait. Le docteur Rosenthal est attendu sur le pont. Le docteur Rosenthal sur le pont immédiatement. Ne faites pas attendre l'amiral, docteur. Je vais m'occuper du reste. Ok. Nomad, retrouvez-moi sur le pont quand vous serez prêt. Beau brin de fille. C'est plutôt rare chez les scientifiques. Si j'avais 10 ans de moins... Ah, voilà ce que j'attendais. Posez cette arme sur leur atelier. Ouais. Un prototype de canon PAC conçu pour être utilisé avec la nano-combinaison. On est encore en phase d'essai et on ne l'a pas encore testé au combat. Ça permet de lancer des têtes nucléaires tactiques. Un peu comme un lance-grenade, mais avec une force de frappe supérieure. Qu'est-ce qu'ils vont inventer après ça? Est-ce que je peux l'essayer? Non. Bon, je pense qu'on en a terminé, lieutenant. Je vais laisser au docteur Rosenthal le soin de régler votre émetteur. Merci, Doc. Pas de problème. Vous devriez filer sur le pont, l'amiral n'est pas réputé pour sa patience. Armure maximum. Nomad! Si vous voyez Lena, vous pouvez lui dire que... Non, rien. Doucement avec ce truc. C'est volatile. Calmos, je sais ce que je fais. Messieurs, je suis l'amiral Morrison. Il y a quelques instants, le président m'a donné l'autorisation de lancer une frappe nucléaire limitée sur les ennemis qui ont envahi l'île. Le recours à la force nucléaire est une décision de la plus haute importance. Nous ne connaissons toujours pas la nature exacte de l'opposition. Mais grâce aux renseignements fournis par nos forces spéciales, nous estimons que notre planète court à l'heure actuelle un très grave danger. Major Barnes, ici l'amiral Morrison. Il faut stopper cette ADAV tout de suite. Major Barnes! Mais qu'est-ce qu'il fait? Chef, je dois lancer une interception. Laissez-le faire. Ce taré vient juste de signer son arrêt de mort. Ça va être bon, lieutenant. Nous sommes presque prêts pour le lancement. Mais un de nos majors vient de se barrer. Il a dévalisé l'armurerie, pris un ADAV et décollé vers l'île. Prophète repart là-bas. Il faut reporter le tir. Il a fait son choix, lieutenant. Amiral, je vous demande de reconsidérer cette opération trop risquée. Et si c'était exactement ce qu'ils veulent? Rien ne dit qu'on ne joue pas leur... Je n'ai pas le temps pour les suppositions, docteur. Le Pentagone nous a demandé d'utiliser l'arme atomique. J'ai des ordres à exécuter. Commandement du navire ici, Rodeur 1. La cible est longue. On approche du périmètre du tir. Terminé. Bien sûr, Rodeur 1. Stand by. Nous sommes prêts, chef. Mais si vous aviez tort, vous en supporteriez les conséquences. Procédez à la frappe. Très bien, chef. Rodeur 1, ici le commandement du navire. Vous avez le feu vert, lancez votre charge. Terminé. J'espère bien que reçu. Vous avez raison. Pour vous, pour moi et le reste de la planète. Venir les pompiers!
Vite! Il faut se bouger, Nomad! Les flammes de l'enfer sont lâchées sur notre porte-avions! Ces bestioles percent notre coque de tous les côtés! Venez par là et battez-vous, soldats! On ne peut pas perdre ce navire! La porte est bloquée, lieutenant! Ne restez pas planté comme ça, ouvrez-la!